Hello tout le monde! Bon matin! Je sais pas si c'est le matin chez vous. D'habitude, je publie mon vlog le matin. Fait que je prends pour acquis que c'est le matin chez vous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis dans les brassées de lavage que je repousse depuis une semaine, qui traînait dans ma salle de bain. Je me suis dit, oh, je vais commencer à vlogger quand je vais avoir fini de plier ma brassée. 2 heures plus tard, je suis toujours en train de plier. Fait que ça va être tout de suite qu'on va se parler. Je vais plier en même temps. Je suis rendue à plier mes bobettes, ça donne bien. Fait que on est mercredi. Êtes-vous trop haut? Ouais, hein? On est mercredi, le 1er février. On est déjà en février, je capote. Le temps passe trop vite. 1er février, il fait tellement beau. Ben, il fait beau. Il fait froid, là. Il fait très froid dehors, mais on a du beau soleil depuis 2 jours. Mon Dieu! On dirait que je parlais comme Miss Météo. On a du beau soleil depuis 2 jours. Non, c'est une mauvaise imitation. Fait que c'est ça. Ça m'enchante bien comme il faut. Je suis revenue du Mexique samedi dernier. Dit-elle en train de plier sa grosse bobette de grand-mère. C'est mes bobettes préférées, by the way. J'ai acheté ça en lot de 10 chez La Vie en Rose. C'est vraiment des bobettes de grand-mère, mais sont tellement confortables. C'est ça l'important. Fait que j'ai une grosse ligne de bobettes en tout temps à travers mon pantalon, mais regarde, on assume, on assume. Fait que c'est ça, je suis revenue du Mexique samedi, c'était tellement, tellement le fun. Genre pour vrai, là, je recommande fois 1000 l'hôtel où est-ce qu'on est allé. C'était le Friendly Fun à Puerto Vallarta. Puis je me rappelle, je pense que je vous l'avais dit hein, dans le dernier vlog, et on dirait que ça m'angoissait parce que, tu sais, tu regardes le nom Friendly Fun. Puis, je regardais, mettons, j'ai stalké là, sur Instagram les stories pis tout. Ça avait l'air d'être le party, là, genre juste des jeunes gens qui font la fête et tout ça. Puis là, j'étais comme, oh, on dirait que j'étais pas dans cette vibe-là là, d'aller comme fêter, faire le party. J'avais juste envie de me reposer, de relaxer pour une fois dans ma vie. Puis, voyez-vous, j'étais arrivée là-bas, là, puis ça a été... Genre, j'ai tellement été agréablement surprise. On dirait que je m'attendais tellement à comme... Je sais pas, je m'attendais au pire, là. Que l'hôtel allait pas être le fun, puis que j'allais pas aimer ça, puis nanana, puis que j'allais donc m'ennuyer de mes enfants. Puis là, hey, là, je broyais quasiment du noir, là. Avant de partir, là, j'étais vraiment... J'angoissais. Puis finalement, on arrive là-bas. C'est de la petite musique romantique. C'est romantique, c'est calme, c'est doux. Genre, c'était... Pour vrai, c'était parfait, là. C'est sûr que, bon, je suis partie avec une amie, c'était correct, mais, tu sais, avoir su, je serais partie avec Oli, mettons. Tu sais, c'est vraiment un hôtel, je trouve, qui est parfait pour des amoureux, tu sais, c'était vraiment romantique. Puis, il n'y avait pas vraiment de party, genre, il y avait, ben, il y avait un théâtre, une salle de spectacle, comme dans l'hôtel, mais on ne l'a jamais trouvé. Puis, on n'a pas entendu parler. Fait que, je sais pas s'il y avait des spectacles sur l'hôtel, mais, tu sais, mettons, je sais que quand on est arrivé le samedi, on est arrivé le samedi? Ouais, le samedi, il y avait comme un spectacle extérieur avec une fille qui... Une acrobate, là, qui dansait, tu sais, avec un voile, là, qu'elle grimpe un voile puis qu'elle fait comme des danses dans le voile, là. Fait que... Il y avait ça la première soirée, mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de party. Par contre, quand tu sors de l'hôtel... Nous autres, c'était à Puerto Vallarta, au Mexique. Quand tu sors de l'hôtel... À 5 minutes, il y a genre un quartier 10-30, là. Puis vraiment, tu sais, pour vrai, c'était... J'ai quasiment envie de dire que c'était riche, là, le coin où est-ce qu'on était, parce que, pour vrai, là, les magasins, c'était tellement beau, genre, c'était plus beau qu'au Québec, là, pour vous dire. Puis il y avait genre un H&M, un Forever 21, un Bath & Body Works, un Croc, il y avait genre tous les magasins, les grands magasins qu'on a ici au Québec. Fait que moi, je me suis acheté plein de linge au H&M. Puis en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est ça. Puis il y a plein de restos, là, genre qui ressemblent, mettons, au Shaker ou au Archibald. Genre des restos vraiment in, là, comme il y en avait vraiment beaucoup à côté de l'hôtel. Fait que tu sais, si mettons, vous êtes dans un vibe, j'ai envie de fêter puis sortir, ben vous avez des possibilités aussi. Nous autres, tu sais, on buvait comme dans le jour, là. On se prenait des sangrias, on buvait des cocktails dans le jour. Fait que, tu sais, des fois, on était comme un peu cocktail dans le jour. Fait que ça faisait qu'on dirait que rendu à 8 heures le soir, là, on était crevés, puis on s'est pris vraiment gros des activités aussi, là. Fait que c'est sûr que les activités nous ont comme vraiment crevés. On a fait quand même des trucs physiques, là, si je peux dire ça.
En tout cas, si jamais ça vous intéresse, niveau activité et tout, j'ai mis une story en highlight Puerto Vallarta sur mon Instagram. Puis aussi, j'ai fait un post là, où est-ce que j'expliquais un peu notre expérience, notre hôtel, les activités. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous irez voir ça. Ceci dit, c'est ça. Je pense que le fait qu'on a fait plein d'activités, ça m'a comme sauvée. Parce que pour vrai, là, genre, aussitôt qu'on faisait rien, mettons qu'on faisait de la plage, je pensais à mes enfants. Puis là, je m'ennuyais. Là, j'étais comme... on dirait que, tu sais, j'avais de la misère à profiter du moment. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je me répétais. Mégane, profite, profite, profite. Parce que, tu sais, c'est une chance là, que j'avais de comme aller au Mexique toute seule puis comme pouvoir prendre du temps juste pour moi. Fait que, tu sais, j'ai quand même savouré les moments, mais à la fin, là, je m'ennuyais vraiment beaucoup. Puis ce qui m'a tuée, c'est à l'aéroport, en revenant. Déjà, je sais pas, j'étais vraiment émotive, là. Genre, j'avais le moton pour rien. Ben pas pour rien, tu sais, j'imagine que j'étais tannée. Pas j'étais tannée, mais genre, tu sais, j'avais hâte de revenir dans mes affaires, puis tu sais, je m'ennuyais de mes enfants, puis tout ça. Puis là, à l'aéroport, c'est ça, on attendait comme pour envoyer nos valises. Puis là, il y a comme une petite famille avec un bébé naissant. Le papa, la maman, le bébé naissant, puis une petite fille de peut-être 6-7 ans qui viennent me voir, genre, avec une feuille. Puis il est écrit sur la feuille, genre, on s'est fait voler nos valises, on a tout perdu, on n'a plus d'argent pour retourner à la maison. Puis là, moi, j'ai juste vu comme le petit bébé, puis de me dire qu'il y a des enfants, peut-être, qui manquaient de quelque chose. Tu sais, je sais pas si cet enfant-là était allaité, mais tu sais, je savais pas s'il pouvait être nourri ou quoi que ce soit. Puis là, après ça, il y a comme un petit couple là, quinquagénaire qu'on a rencontré, avec qui on jasait. Il disait, ça, c'est de quoi qu'on voit vraiment souvent, là, genre des gens... des escrocs, ce qu'on dit, qui font ça. Parce que moi, j'ai comme tout donné mon restant de pesos mexicain, parce que de toute façon, j'étais là, tu sais, il me restait pas grand-chose. Puis, tu sais, mon cœur de maman, hein, ça l'a emporté. Puis, en tout cas, c'est ça, tu sais, le couple avec nous était comme, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Fait que, tu sais, je sais pas si finalement c'était des escrocs ou pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça... inacceptable. Ça me fait capoter que tu utilises des enfants, tes enfants ou les enfants de quelqu'un d'autre pour escroquer les gens comme ça. Si c'est vrai, là, genre, ça me fait capoter. Je peux pas croire qu'il y a des gens aussi malhonnêtes que ça. Là. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu ça, puis que je me suis dit, mais si c'est vrai, que tu sais, ces enfants-là, comme ils peuvent pas retourner à la maison dans leurs choses, qu'eux autres, ils ont plus d'argent... Genre, j'ai explosé. Je me suis... Ah, c'est tellement gênant, par exemple. J'en étais avec le petit couple, là, je suis comme... Ouf! Hey, ça, c'était comme de trop, là. Je trouve ça difficile. Puis là, genre, ils me regardent, puis là, j'explose. J'étais là, mon Dieu, de mes enfants! Puis là, me mets à pleurer, puis les autres sont genre, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans la fille qui explose en sanglots en une seconde et quart, genre... Mais c'est comme ça, c'était comme la goutte, là, qui a fait déborder le vase, là, de voir des enfants. Puis c'était ça... C'était ça qui me tuait, puis je pense que ça m'a comme sauvée parce que l'hôtel où est-ce qu'on était, c'était vraiment pas familial. Fait que je voyais jamais d'enfants, mais quand j'en voyais, c'était là, là que ouf, mon cœur il tordait, puis je me disais comme ah, mon Dieu, tu sais, je pourrais être avec mes enfants en ce moment, puis je le suis pas. Puis c'est ça que je trouvais dur, puis là, ben c'est ça, à l'aéroport de voir les enfants, tu sais, de me dire qu'il manque peut-être quelque chose, ben c'est là que ça m'a comme tuée. Sur ce, je vois ma batterie flasher depuis les 3 dernières minutes, fait que je pense que ça va lâcher. De toute façon, j'ai mon autre batterie que j'ai mis sur la charge tantôt, fait que puis il y a Rosan aussi qui commence à faire des petits bruits. Fait que je vais j'allais voir mon petit coco. Il joue. Il est tellement tolérant sur le tapis là, pour vrai, des fois je peux le laisser genre 1h30, puis il vit sa meilleure vie, genre il est comme ah, ouf. Il est full content. Ben, je dis 1h30, j'exagère, là, mais tu sais, vraiment longtemps. Fait que, sur ce, je vais vous laisser tout de suite, puis on va se retrouver après, parce que, c'est ça, je vais aller m'occuper de mon petit bébé. Essayer de finir ma Moses de brasser, que ça fait 2 heures que je plie. M'en reste plus long, puis je vous reviens après. Je vais aller charger ma batterie en même temps. Bon, me revoici. Alors, il est rendu 12h30 et là, la journée a vraiment flyé parce que tantôt, en finissant ma brassée de lavage interminable, j'ai reçu un appel. Ben, en fait, j'ai écouté mes messages vocaux parce que quand je suis revenue du Mexique,
c'était comme pas, je voyais pas si j'avais eu des appels ou pas. Puis là, j'ai comme eu le flash, j'étais comme, hey, j'ai peut-être des messages sur ma boîte vocale. Et comme de fait, j'avais reçu mon appel de l'entrepôt de la lunette pour mes lunettes de vue. Comme vous le savez, dans mon dernier vlog, j'étais allée faire un examen de la vue. Dans le fond, j'étais vraiment due, là. Ça faisait comme 7 ans que j'étais pas allée, puis je sentais que ma vision a commencé à m'arracher. Fait que j'étais allée faire un examen de la vue chez Costco. C'était la place que le rendez-vous était le plus rapide, bref. J'avais regardé les lunettes, puis on dirait qu'il y avait comme rien qui m'attrayait. Puis après ça, j'étais allée chez Lunetterie. OK, je vais attendre parce qu'il y a un char. Ce sera pas long. Bon, super. Comme de fait, la petite madame, elle reste dans son auto, fait qu'elle va me voir vlogger. C'est pas grave. Fait que c'est ça. J'étais allée chez Lunetterie New Look. Parce que je voulais comme des lunettes épaisses, noires, foncées. Moi, je trouve ça vraiment beau. Puis ça fait des années que j'en veux des comme ça. Puis, c'est ça. Je me suis dit peut-être que là-bas, je vais en trouver. Puis, j'en ai pas trouvé. Fait que là, j'étais comme, ah, je vais où? Finalement, je me suis dit, je vais arrêter à l'entrepôt de la lunette, des fois que. Puis, je suis arrêtée là-bas. Puis, pour vrai, là, j'avais fait une story parce que j'ai tellement eu un bon service, là. Je suis rentrée là, genre, le monde est tellement chaleureux, accueillant. J'étais là, mais waouh, pour vrai, tu sais. Puis, il y avait d'autres lunetteries que j'avais faites. Puis, genre, tout le monde m'ignorait, là. Personne ne me parlait. Puis, comme, j'étais vraiment laissée à moi-même. Je savais même pas si je pouvais, comme, magasiner des montures, là, sans avoir fait mon examen, là. Puis, à l'entrepôt de la lunette, ils m'ont donné un petit bac. Ils étaient comme, prends toutes les lunettes que tu veux, mets-les dans le petit bac. Puis, après, tu peux, comme, tu sais, tu vas pouvoir t'sais, les avoir pour pouvoir comparer puis tout ça. Fait que j'étais là, ah, merci, puis blablabla. Finalement, j'ai essayé des montures là-bas et j'en ai trouvé deux. J'avais deux coups de cœur à la fin, puis j'étais là, je savais pas comment trancher. Puis là, elle m'a dit qu'il y avait comme une promo quand t'en prends deux. Moi, honnêtement, je pensais payer 600, là, mettons, par lunette. Parce que quand il y a 7 ans, quand j'ai fait mon examen de la vue, j'avais acheté des Ray-Ban. Ça m'avait coûté 600$ pour ma monture, dans le fond, là, avec mes vitres puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis là, elle me dit que ça te reviendrait à comme 250 pour les deux. J'étais comme, avec la vision puis tout, était le oui. J'étais là, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Genre, c'est sûr que je les prends les deux. J'en revenais pas comment ça me coûtait pas cher. Fait que c'est ça. Puis finalement, j'ai pris une garantie d'un an supplémentaire sur les deux lunettes qui était comme 60$ pour les deux. Fait que au final, ça m'a coûté genre 310$ pour deux paires de lunettes. Je suis comme, pardon. Genre, c'est vraiment cool. Puis je voulais vous montrer mes choix finaux. Dans le fond, genre à chaque fois que j'ai essayé, là, les opticiens, opticiennes étaient comme, mon Dieu, on est vraiment genre dans deux styles complètement différents. Puis je trouvais ça le fun d'aller dans deux styles différents parce que, tu sais, j'étais comme, mais ça sent quoi d'acheter genre deux lunettes si tu vas pas dans des styles différents, genre si tu vas dans le même style. En tout cas, tu sais, c'est ça qui est le fun d'avoir deux montures, c'est d'avoir comme deux styles. Fait que je vais vous montrer les deux choix. Je sais pas si la petite madame, elle va sortir. Non, elle est retournée dans son auto. Fait que premier style, qui est vraiment tout en douceur, et qui sont de couleur or. Je les trouvais vraiment belles. On dirait que c'est bizarre comme ça. Ah! On dirait que je suis plus sûre. Je sais pas si c'est le... pas si c'est la caméra. C'est beau! Mais c'est délicat, là. Ah ouais. Je pense que c'est beau. Je sais pas, c'est peut-être ma coupe de cheveux. En tout cas, j'ai trouvé délicate. Puis Oli voulait vraiment que j'en achète genre des transparentes, là, tu sais, comme un genre de plastique transparent, mais il y avait comme aucun modèle qui m'intéressait. En tout cas, eux autres, j'ai trouvé intéressant. Fait que vraiment belle. Si jamais vous voulez le nom des modèles, je pourrais vous le dire. Elle me l'a mis sur un petit papier. Bon, je suis pas sûre de lequel est lequel, mais en tout cas, je vais vous dire les deux modèles. Fait que le premier, c'est 24-27-0 Elton, comme Elton John. Fait que 24-27-0 Elton, mais je suis pas certaine c'est lequel. En tout cas, en cherchant sur Google, je vais vous le mettre dans la barre de description au pire. Fait que c'est ça.
Après ça, deuxième modèle qui est plus large et foncé comme que je voulais, mais pas trop non plus. En tout cas, j'ai trouvé bien intéressant. Mais ils sont pas noirs, ils sont comme ambrés, là, si on peut dire ça comme ça. Ça donne ça. Aimez-vous ça? On dirait que je suis plus sûre de mes choix. Mais je vais m'habituer. C'est sûr qu'il faut que je m'habitue. Tu sais, avant, mes lunettes, c'était ceux-là que j'avais achetés chez Firmo. Ils sont comme eux autres transparentes un peu. Mais c'est fou, là, tu sais, c'est sur Firmo. Fait que, genre, il n'y a rien d'ajusté comme il faut, là. Puis ceux-là, elle m'a toutes ajustées selon ma vue. Aimez-vous ça? On dirait que j'aime ça. Je sais pas, c'est peut-être moi. Mais en tout cas, quand je suis allée les essayer à la lunetterie, la madame m'a dit que c'était vraiment des bons choix que j'avais fait pour mon visage. Parce qu'elle disait que j'avais des traits très doux. Puis ces lunettes-là sont un petit peu plus sévères, mais pas trop. Les autres sont comme plus douces, un peu comme mes traits, qu'elle me disait. Écoute, je savais pas que j'avais des traits doux, mais voilà. Sur ce, là, je suis à l'aubainerie, comme vous pouvez voir, parce que je veux aller acheter des vêtements à Laurier. Parce que Laurier, il n'y a plus rien qui est fait, là. Genre, cette semaine, j'ai vraiment pogné un 2 minutes, là. Tous ces pantalons, genre, ils sont tous trop courts. Je sais pas s'il a grandi comme en une semaine ou 2 semaines, mais les chandails arrivent tous là. Genre, il avait l'air d'un petit pauvre, là. Pour vrai, j'étais genre, mon Dieu, j'étais gênée, là. Fait que là, je me suis dit, je vais aller acheter des petits basics, là, à l'aubainerie. C'est tout le temps gagnant. Fait que c'est ça. Je m'en vais à l'aubainerie. Bon, fait que je viens de revenir à la maison. Ouais, ils sont intenses, hein, les lunettes, on va se le dire, là. Faut que je m'habitue. Mais je trouve pas ça inintéressant. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. C'est sûr que vous allez être comme, ce n'est pas beau. Fait que je reviens de l'aubainerie, comme mentionné, et j'ai trouvé quand même une coupe d'affaires. Je vous dirais que j'ai pas fait de grand choix parce que il y avait pas grand chose dans le 4 ans. Fait que j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le 4 ans, autrement dit. Mais je vais vous le montrer quand même, là, c'est quand même cute. Fait que premièrement, j'ai pris un chandail comme ça. Laurier en a déjà un vraiment similaire que j'avais pris à l'aubainerie, qui est pratiquement identique à celui-là, mais dans d'autres couleurs. Fait que, en tout cas, ça va faire différent. Fait qu'il y avait ce chandail-là, puis la plupart des trucs étaient à 70%. Fait que ça revenait comme à 5$ le chandail, ça valait la peine. Après ça, j'ai pris un petit chandail comme ça ici, gaufré, qui est écrit en arrière « We care for the planet ». Oh, so cutie. Fait que ça ici. Ensuite, celui-là. Ils sont pas mal un peu tous dans le même style, honnêtement. C'est ça. Comme je vous dis, j'étais juste en mode de lui trouver des vêtements qui font. Après ça, il y a celui-là. Comme ça ici. On voit-tu quoi? On dirait que c'est flou. Voyez-vous? On dirait que je sais pas le focus ici. OK. Fait que celui-là. Après ça, celui-là ici, randonneur, vraiment mignon. Je vais enlever mon son. Après ça, j'ai pris 2 petites chemises, puis je pense que Oli a exactement la même. Fait qu'ils vont pouvoir twinner. Elle était vraiment cute, puis ça revenait à 26$, puis elle était à 70%. Fait que, je sais pas, 8$, genre. Tu sais, ça va être cute, une petite chemise comme ça. La plupart, c'est des vêtements de garderie, là. C'est comme, tu sais, le linge plus beau, propre, il met ça, tu sais, le week-end ou quand on a des sorties, mettons, on va voir des proches et tout ça, mais sinon, c'est tout du linge de garderie, là. Il y a cette chemise-là aussi, qui est un peu dans le même style que l'autre, mais plus kaki, que je trouvais très belle également. Ensuite, j'ai pris une petite salopette comme ça à rosaire, qui est à 70% aussi, je crois. 70%. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, j'ai pris le petit coton ouaté qui va avec. Comme ça ici. Il est vraiment doux. Ça a l'air super confortable. Après ça, j'ai pris pour Laurier. Je pense que ça, c'est dans le vraiment plus grand. 5-6 ans. Fait que pour moi, ça va plus faire comme quasiment à l'automne prochain. Mais genre, la texture était tellement le fun. Je trouvais ça vraiment cool comme... Je trouvais la texture vraiment intéressante. Il est super doux, puis il est quand même vraiment beau. Puis ça vient avec les petits pantalons comme ça. C'est évolutif. Fait que c'est vraiment le fun.
Puis finalement, j'ai juste pris, c'était le seul qu'il y avait dans la grandeur de Rosaire, un petit costume de bain parce qu'on aimerait ça probablement partir dans le sud. Ben, ça fait longtemps, là, ça fait belle lurette qu'on veut partir dans le sud, les quatre. Mais là, vu que j'étais partie moi-même, ben, toute seule avec une amie, ça avait été repoussé. Puis finalement, ben, c'est ça, on aimerait ça partir soit en mars ou en avril, mais probablement plus en avril. Puis j'étais en train de me dire que j'avais pas de costume de bain pour les enfants, fait que j'ai pris celui-là, il est vraiment ordinaire, on s'entend. Mais j'ai pris ça pour Rosaire. Mais tu sais, Flo, j'en achète d'autres, il prendra pas le même costume de bain toute la semaine, mais bon, ça va être un de moins à acheter. Puis là, je voulais pas m'emporter justement, parce que j'étais comme advenant que finalement on y va pas dans le sud, pas dépenser pour rien. Puis dans le fond, je l'ai pris dans le 12 mois. Fait que tu sais, ça va faire cet été s'il y a de quoi, là. Fait que c'est ça. Là, il est quelle heure? Il est 13h50. J'ai eu un flash là, en m'en venant. Je capotais parce que j'ai un appel bref pour un contrat qui s'en vient avec un client qui était cédulé à 14h. Puis là, genre, je m'en venais, j'étais là, mon Dieu, il est-tu passé 14h? Genre, j'ai complètement oublié que j'avais un appel bref. Puis là, finalement, j'arrive, puis il était 13h45. Fait que j'étais là, OK, j'ai du lousse. Fait que là, il était 50, fait que je vais m'installer à l'ordi pour lire le brief. Puis après ça, c'est ça, je vais rencontrer le client, il va m'expliquer ce qu'il veut spécifiquement pour le contrat. Puis après ça, je vais pouvoir m'aligner sur le concept. Là, le petit coco, il a fait un beau dodo en auto, puis la dernière fois qu'il a bu, c'était à midi. Fait que j'espère que je vais être capable de passer au travers de mon appel brief. D'habitude, c'est jamais bien long, là. 30 minutes max. Fait qu'en tout cas, je vais voir comment ça se passe, puis après ça... T'es tellement beau! Après ça, je vais le faire boire. J'étais... Oh, il m'a fait un bisou! Il a fait... T'as-tu fait un bisou? Oh, je t'aime. Pauvre petit coco, il s'est tout graffiné. Mais hier, j'étais là, je vais lui couper les ongles. Il n'y a aucun ongle, genre. Il n'y a rien à couper. Il faudrait que j'y lime, à la limite, là. Oh. Bonjour, toi. Bonjour. Pour vrai, là, ce bébé-là est parfait. Au niveau de la personnalité. Personnalité. Je veux dire, il n'y a pas de personnalité encore, mais genre... Il est tellement fin, il est patient, il est doux, il est souriant. Oh! Ah, tu veux pas de bisous? Bisous esquimaux? Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu fais-tu allô? Sourire! Kiss! Bon! Bon, je m'en vais à l'ordi. Et je vous reviens! Bon, fait que j'ai fini mon appel brief. Déjà, oh, je suis en automatique, moi, là. Wow! Prends pas ça de même! Fait que c'est ça, je disais que j'ai fini mon appel brief. Déjà, il est 2h09. Fait que ça a duré un gros 10 minutes. C'est ça, c'est jamais bien long. Dans le fond, quand j'ai un contrat, il y a tout le temps un document qu'on appelle un brief ou un brief. Puis là-dedans, il y a comme toutes les grandes lignes de la campagne, le produit en question qu'il faut promouvoir, les to-do, les not-to-do. Genre, dans les not-to-do, il y a comme... tu sais, mettons, quand on est créateur de contenu, on peut jamais voir de marque. Je sais pas si vous le saviez, fun fact, mais dans le contenu, on peut jamais voir de marque, genre de vêtements, de marque, de n'importe quoi. C'est comme, on peut pas. Fait que ça, ben, il nous rappelle tout le temps ça. Souvent, il y a comme un... il faut présenter le produit dans les 3 premières secondes. Il y a plein de petits trucs comme ça que vous remarquez peut-être pas, mais qui sont comme assez précis pour nous quand on a des contrats. Fait que c'est ça qu'on regardait, dans le fond. Puis vous devriez voir ça passer quand même prochainement, parce que là, elle m'a dit que dans l'échéancier, c'était le plus rapidement possible. Oh! C'est pas moi qui ai pété, la gang, c'est lui. Je vous le jure. Fait que c'est ça. Dans les... c'est ça. Ils m'ont dit le plus rapidement possible. Fait que je vais probablement tourner ça la semaine prochaine. À suivre. On verra. Hein? Hein, bien sûr, parce que là, vendredi, j'ai un autre contrat à tourner. Et samedi, c'est le pop-up. C'est vrai, je voulais pas rappeler, mais le pop-up à la Cité agricole à Saint-Augustin-de-Desmaures. Hey, ça va être tellement big comme événement, là. Si vous cherchez une activité à faire en famille...
Il y a le pop-up, mais il y a tellement d'activités. Genre, il y a un bar à limonade, des glissades sur neige, de la tire sur neige. Je pense qu'il y a un sentier de randonnée. Ouais, il y a un sentier de randonnée. Mm. En tout cas, vous irez voir là, le compte Instagram, c'est le.pop.local. En tout cas, sur mon compte Instagram de Prairie, j'ai tout partagé. Fait que vous irez voir ça. J'espère full vous y voir. Je vais tout amener mes produits, dont ma collection de printemps en exclusivité au niveau des bougies. Puis sinon, c'est quoi que je voulais dire? C'est ça, moi je vais être là de 10h à 17h. Puis c'est ça, mettons, vous venez avec votre conjoint, vos enfants, bien, votre conjoint peut aller faire, mettons, des glissades avec les enfants, puis vous, vous magasinez en dedans, ou vous n'êtes même pas obligé de venir magasiner, là. Faites juste zioter ou juste aller faire les activités. Tout est gratuit, le stationnement est gratuit. Fait que ça vaut vraiment la peine. Je t'aime tellement. Est-ce que tu le sais que je t'aime? Là, lui, il va sûrement être proche de vouloir boire. Tu dis-tu allô? Puis, c'est ça. Là, y a-t-il autre chose qu'il faut que je fasse? Je vais serrer mon linge qui est encore sur la table. Hey, ma brassée de linge, ça va avoir été le projet d'une journée, hein? Puis, dans pas long, mine de rien, je vais aller chercher Laurier à la garderie. Puis, c'est pas mal ça pour le moment. Fait quoi? Je vous reviens tantôt. Bon, je me suis fait une petite collation. C'est le nouveau smoothie Vive Azur. Azur, je pense. Il est comme à la noix de coco, ananas, mangue, vraiment tropical. Mm. Il est excellent pour vrai, là. Il est tellement bon. Lui, puis mon préf au monde, là, faut... Hey, en plus, là, cette semaine, là, je me disais, faut que je passe une commande, puis il faut vraiment que je le fasse avant qu'il soit plus disponible. La saveur biscuit à la cannelle, là. Genre, je mets du lait là-dedans et ça goûte le lait frappé. Ah, oh, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Puis, by the way, ça goûte vraiment pas tant la cannelle. Ça goûte plus le biscuit. Moi, je suis pas fan de cannelle, là. Fait que, tu sais, quand j'avais vu biscuit à la cannelle, j'étais là, ça va-tu être trop intense, genre brioche à la cannelle? Puis, non, là, ça goûte juste comme le biscuit crémeux. Oh mon Dieu, c'est tellement bon, j'ai juste pensé. Je salive. Genre, j'en ai plus. J'ai passé mon dernier, c'est en fin de semaine, là. J'en cravais tellement, là. J'étais plus capable de me contenir. Puis, ça, l'affaire, c'est que je voulais faire ça subtil pour pas que Laurier s'en rende compte, vu que Laurier, je savais qu'elle allait vouloir en avoir. Mais, tu sais, mettons que le blender, c'est pas super subtil. Fait qu'évidemment, il m'a comme vu, puis là, il a fallu que j'y partage. Oh, puis c'était mon dernier. Fait que là, je vais passer une commande, là, tantôt, une boîte pleine, là, de biscuits à la cannelle. Genre, c'est trop bon. Puis, en passant... Et Vive, vous allez capoter, là, parce que je sais que vous êtes plusieurs à me dire souvent « C'est plate, ton code, il fonctionne juste sur une première utilisation. » Mais là, jusqu'au 28 février, même si vous êtes un client régulier de Et Vive, mon code fonctionne. Donc, ça vous donne 25$ de rabais sur votre commande. Puis, vous avez aussi le shaker comme ça ici, ben le pot maçon gratuitement avec la paille en bambou. Fait que 25$ de rabais, les deux cadeaux gratuits avec mon code promo MEGANR25. Fait que MEGANR25 en majuscule, ça vous donne 25$ plus ça gratuit. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est sur toutes les commandes. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Ça peut être une commande unique. Vous êtes un ancien client, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'essayer quand même. T'en veux? Non, Minou, ça, tu peux pas. Non, Minou, là, je pense qu'il commence à avoir faim, fait que je vais l'allaiter. Je vais l'allaiter, puis après ça, on va s'aligner pour aller chercher ton grand frère à la garderie. Dis donc, allô? Souris! Oh. C'est fou, genre, pour vrai, là, je me demande si j'ai pas accouché de lit. Genre, il est identique à Oli. Tu sais, Laurier, il ressemble beaucoup à Oli, mais comme Rosa, ça n'a juste pas rapport, là. Il est identique. Bébé sourire à sa maman, je t'aime tellement. Hey, je voulais pas dire tantôt, là, mais tout le linge de l'aubainerie que j'ai acheté, là, ma facture s'est élevée à 110$. 110$. Puis j'ai genre 15 chandails pour les gars. Je capote.
Fait que... Ah, ben regarde, je l'ai ici. 110 et 37, j'ai 1. OK, je pense qu'il y en a qui sont en lot. OK, ouais. Non, je pourrais pas le compter comme ça. En tout cas, j'ai comme au moins 10 chandails. Tu veux-tu la facture? Bon, fait que c'est ça pour le moment. Toi, ça va être l'heure de boire le lait. Mais pas ça dans ta bouche, caca. Ça va être l'heure de boire le lait. Là, Laurie, il a le cœur grand comme le ciel. Parce que là, il est arrivé une couple d'événements en même temps. Premièrement, il a voulu prendre mes lunettes. J'ai dit non, tu sais, c'est mes nouvelles lunettes. Une chance, j'ai pris la garantie. Là, après ça... Est-ce que maman a le droit d'en prendre un? OK, oui, bonne idée. On est arrivé à la maison. Et là, ces temps-ci, j'essaie de comme prôner l'autonomie au niveau du déshabillage de son ensemble d'hiver. J'ai enlevé mes lunettes, là. Je les mettais pour conduire, mais... c'est ça, tu sais, il devient vite comme... Pas paresseux, mais genre... Tu sais, il est super bon pour se déshabiller, mais si, mettons, son zip, il coince, mais là, il se fâche, puis... En tout cas, tout ça. Puis là, il n'arrivait pas à enlever sa botte, fait que là, il s'est mis à pleurer. Là, je sais pas pourquoi il était émotif comme ça. Il s'est mis à pleurer. Puis là, je suis comme allée dans l'escalier pour l'aider. Puis là, il disait « Non, monte, maman, monte! » Il voulait que je remonte en haut. Fait que là, je suis remontée en haut, mais là, je l'encourageais d'en haut. Puis là, après ça... Maman, je fais ça. OK. Après ça, il me dit... tu sais, il a vu la caméra, il était là, je veux parler à la caméra. Là, j'étais comme, on va laver nos mains avant, parce que, tu sais, c'est tout le temps, quand on arrive à la maison, on va toujours laver nos mains. Oh, là, c'était lourd, là, il se lave, là, il se fâche parce qu'il voulait pas exceptionnellement prendre son savon, tu sais, un savon à main de chez dans un jardin, qui sent les bananes. Puis, il y a mon savon, ben, tu sais, le savon des adultes, là, puis là, il voulait le savon des adultes. Fait que là, ça, après ça, il arrive, là, l'histoire des biscuits aux légumes, parce qu'elle me dit, je veux des pissigues, tu sais, il appelle ça des pissigues. Fait que là, j'en ai mis dans son bol, mais tu sais, je ferais pas un bol gros de même, il mange des soupes dans une heure, puis il a mangé une collation à la garderie. Fait que là, tu sais, on s'entend-tu, j'en ai mis une coupe. Puis là, il charlait parce qu'il en voulait encore. En tout cas, là, regarde, finalement, il s'est calmé. Fait que... Wow! Maman! Beau bisou, bye le popo! Est-ce que tu lui dis bye-bye, papa et le popo? Bye-bye, papa et bobo! Oh, t'es fort, Loulou! Wow! Tu m'impressionnes! Fait que c'est ça. Sur ce, là, il est presque 5 heures. Ça va bientôt être l'heure du souper. Et je saute. Ça va bientôt être l'heure du souper. Loulou, il va manger notre restant d'hier. Je sais pas s'il va aimer ça. J'ai fait comme dans le Ninja Speedy, des gnocchis avec une sauce au basilic. Des tomates, du chorizo, qui est pas piquant. Puis après ça, j'ai mis de la roquette, du parmesan. Mais là, dans le fond, il y aura pas de roquette. Mais ça va être le repas de gnocchi. Je sais pas s'il va aimer ça. On expérimente, écoutez. Puis nous autres, pour souper, on va manger des brochettes. Que c'est brochettes de tempeh avec fromage halloumi, pomme. C'est pas... Toshi. Chercher quoi? Toshi, là. C'est quoi Toshi? Toshi, là. C'est quoi Toshi? Va donc le chercher, ça m'intrigue. Il est où le Toshi? C'est pas là, Toshi. C'est quoi Toshi? Un autre camion de poubelle? Oui. Tu veux que je te le sorte? C'est fou comment ces camions poubelles, c'est une obsession.
Une baby belle. Sur toute sa table. Bon, fait que c'est ça. Nous autres, on mange des brochettes de halloumi, tempeh et pommes. C'est une nouvelle recette que j'ai trouvée dans la recette 515, je pense. Je suis pas sûre. Fait que ça risque d'être ça pour ce soir. Oli va arriver dans 1h15. Puis, es-tu correct? Bon, je pense que je vais arrêter le vlog là parce que Laurie est comme très émotif. Ah, excusez. Fait que c'est ça. Il est comme bien émotif. Puis dans ce temps-là, faut que je donne de l'attention. Fait que maman va jouer avec toi. Okay, avec les camions de poubelle. Hey Loulou, avant de prendre la boîte, j'aimerais ça que tu manges ton bol. Ok, c'est tout là, gars. T'en as tout échappé à faire. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous laisse. Merci full d'avoir écouté le vlog. On va se voir bientôt dans un prochain vlog. Puis, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Fait que, bye la gang!